Allez, à tout le monde, c'est Tazorik Perassia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 468 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 468. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué notre carte aventure dans le mode aventure, après qu'à la carte des mers, hein, souvenez-vous, on est à 7%. On avait obtenu, souvenez-vous, on avait fait à nouveau cette case-là pour obtenir du coup notre costume grâce à la grue de récupération. Donc on va aller juste, je vais vous montrer quel costume nous avons obtenu. Les amis, ce n'est pas avec Link, ce n'est pas avec Zelda, mais avec Fear. Et on avait obtenu le normal de mer. Voilà, et c'était un costume qui était très 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 stylé. Honnêtement, c'est magnifique. C'est magnifique, donc à choisir quand on fera un truc avec Fear ici, donc à choisir, voilà, on le choisira. Et donc du coup, bah les amis, on va du coup s'attaquer aujourd'hui à cette case là. En plus nous avons le Free Miam Miam, alors du coup en exploration il faut obtenir la grue de récupération, chose que nous avons pas, hein, c'est dans les prochaines cases. Mais attention, on y va, vous, après on pourra faire un gros épisode farm quand on commencera un petit peu à s'étendre, hein, sur la carte. Quand on commencera à s'étendre bien correctement sur la carte, on pourra peut-être s'attaquer à un épisode farm, premier épisode farm de cette carte aventure. Comme ça au moins on va pouvoir récupérer un maximum de choses pour pouvoir faire sur les cartes que nous avons déjà visitées ou pas visitées encore, par exemple celle-là. Celle-là, etc. Et donc du coup, bah écoutez, on va faire cette case là, on doit éliminer 400 ennemis avant l'armée tierce. On est obligé d'utiliser Link, donc est-ce que ça m'emmerde? Pas du tout, hein. En face de nous avons des gibes d'eau, et on nous a un fruit miam miam. Donc on pourra appliquer pour une des futures cases. Donc écoutez, volcan d'ordin. Alors on va se mettre du coup la tenue rouge, hein, autant rythmé dans le thème. On utilisera le costume de The Legend of Zelda une autre fois, hein, ne vous inquiétez pas. On l'a déjà, je crois, utilisé une ou deux fois. Donc voilà, on varie un petit peu. Et je pense qu'on va peut-être varier les combos, les armes. Alors l'épée à une main, non. Mais Epona peut-être, ça fait longtemps, un petit peu pour pouvoir un petit peu scalader dans le ventre. Donc oui, on va varier, oui, on change, hein, on change un petit peu de temps en temps. Et en cas de gros problème, même si ça m'étonnerait, on va utiliser le roi d'Hyrule. Voilà, 225. Et c'est parti. Est-ce que j'ai bien appliqué le costume, la tenue du héros rouge? Je sais pas. En tout cas, vraiment, je suis très content d'être voilà, on va pouvoir finir la semaine. On aura été une semaine mine de rien productif, on aura fait pas mal de petites choses sympatoches. Alors au niveau du champ de bataille, nous avons des gibes d'eau, des moblins. Ah, c'est eux, d'accord. Et Insero noir, ah ah, les Insero noirs. Oh là là, avec Link ça va être du gâteau ça. Oh oui, oh oui, avec Link, avec notre éponard. Oh putain de merde. Oh oui. Ah oui, donc wow, on fait mal sur ma vie. Oh, on peut foncer! Putain, mais on va tellement vite! Oh là là, mais on est en train de tout niquer! On est en train, je crois, de tout niquer! Oh, mais on va tout faire avec Link, hein, j'en ai rien à foutre! Hein. On va tout faire avec Link! Allez, une sirop noire! Allez, boum! Non, une sirop noire! Putain, on dirait que dans le vrai Ocarina of Time avec les carottes qui me servent d'énergie ou je sais pas trop quoi. Dans Toi la princesse, c'est des genres de rouages. Voilà. Putain, on est déjà à 100 KO. A mon avis, on va pas tarder à obtenir le... Pouah. C'est génial cette arme. C'est génial. C'est génial. Aha, le roi de Dango. Yes. Le fameux Pyroceptoros malfaisant. Ah, la force, on commence à connaître. Hein. Le roi de Dango, Pyroceptoros malfaisant. Bon, bah, c'est un roi de Dango. Ça va pas non plus être très difficile. Oh, il y a quand même Impa quelque part. Bon, on s'en bat les couilles, non? Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Parce que le problème, c'est qu'on a tellement de liens de cheveux d'Impa, ça ne servira peut-être à rien, en fait. Putain, c'est génial.
J'aurais voulu... Merde. On va aller voir le coup fatal, ne vous inquiétez pas. On va aller voir le coup fatal. On va aller voir le coup fatal. Oh oui! Mais putain, mais c'est génial! C'est génial! On est en train de tout défoncer. Bon, bah, on a éliminé le Gypdo. Par contre, ouais, bon, quand même, c'est qu'on peut pas éliminer l'Insiro noir, là. Avec tous ces ennemis à la con. Insiro noir, ouais! On l'a eu. Est-ce qu'on peut, on peut éliminer Impa? Non. Ah, bah, malheureusement, on peut pas. Il y a trop d'ennemis, malheureusement, sur la carte. Bah, en tout cas, voilà! Arme! Très sympathique à utiliser. Honnêtement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Avec cette musique en fond. Et voilà, victoire. Victoire, victoire. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Hein. Oh, aïe, aïe. Le chien d'Epona. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh là 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 là. Comme il est badass. On avait bien fait de l'utiliser. Et mais putain, en fait, il est fort. 120 de dégâts. En fait, si, en fait, c'est comme si on avait utilisé la Master Sword, en fait. J'ai l'impression. Putain, on a vraiment tout niqué, quoi. Et Laurent, évidemment, il fallait s'en douter. Le fruit Mémiam, et pour on est à 88 de dégâts, 2000 ennemis requis. Alors, une lourde épée de Gypdo, 3 robes d'Insiro, une viande de Moblin. Bien. Le fruit Mémiam, alors du coup, on ira là la fois prochaine. Ouh, il y a plein de rochers à péter ici, non? Il y a des bombes ici? Je sais plus s'il y a des bombes. Je sais plus. Pourquoi il y a des rochers comme ça, mis à l'évidence, c'est qu'il y a bien un truc? Je sais pas. En tout cas, il faudra ici donner le fruit Mémiam. Mais ça sera pas pour là, ça sera, on le fera sur des anciennes cases. Genre par exemple, enfin sur ces cases là en arrière, comme ça au moins on finit, vous voyez, d'un côté. On va dire, on vaut mieux finir à 100%, vous voyez, du début. Et qu'on commence à arriver après jusqu'à la fin, etc. Parce que sinon on va jamais s'en sortir. On va juste aller voir un niveau des badges. Hein, et bien évidemment, au niveau des badges, avec ce que nous avons obtenu en termes de robe d'Insero, je pense qu'on pourrait peut-être faire quelques trucs, non? Pas du tout. Ok. Et là, par hasard. Pas du tout. Là, c'est triste, hein. C'est bien pauvre, hein. Et là. On peut vraiment rien faire avec les robes d'Insero que j'ai obtenues. C'est une blague. Bon, bah écoutez. Écoutez, hein, je peux pas faire grand chose. Hein. Et donc, du coup, bah, on va s'arrêter là. On se retrouvera donc, du coup, bah, les amis, pour demain. Hein, on attaquera la nouvelle semaine avec, du coup, la suite hein, de notre aventure sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Nous avons un fruit miam miam qu'on pourra placer sur un goéland. Donc, là, on a besoin du fruit, enfin, de la truc de récupération. On n'a pas le choix. Par contre, on va juste voir vraiment s'il faut l'appliquer sur. Ouais, il faut l'appliquer sur le goéland. Utilisez-le sur les goélands pour qu'ils trouvent des trésors cachés. Pour trouver. Oh, d'accord. En fait, on va devoir utiliser le goéland. Enfin, le fruit Mémiam. Et après, une grue de récupération. Waouh, par contre, c'est coûteux. Hein. Donc, en fait, on aura fait à peine la première étape, quoi. D'accord. Bon, bah, si je comprends bien, on est vraiment pas sorti de l'auberge, quoi. Bon, bah, écoutez, du coup, bah, c'est ce qu'on fera. Hein. Alors, ça, tout dépendra de ce que ça a fait. Tout dépendra vraiment ce que ça fait. Bah, du coup, je préfère largement me réserver une grue de récupération en cas de secours. Donc je pense que je vais pas l'appliquer maintenant. On fera cette case là. Comme ça, une fois cette case là, j'aurai juste à appliquer tout simplement le truc. Et du coup, bah, c'est deux cases. On les achète pas. Et même dans la version légende. C'est pour ça que moi, je m'y refuse. C'est trop facile. Donc voilà, sachant que mine de rien, on commence à se rapprocher petit à petit de cette barrière là. Donc quand même le but quand même de faire tout le tour. Donc c'est-à-dire que cette semaine on pourra peut-être réussir à faire ouais, peut-être à tout faire là. Attendez, je suis en train de penser parce que là ça prendra deux épisodes. Là peut-être ça prendra un épisode à mon avis. Ouais, donc en fait ouais, après on pourra rentrer là-dedans, avoir ça comme ça que ça permettra de débloquer l'accès pour pouvoir aller là. Donc ouais, en fait, on est pas fini, hein. On n'est pas fini, hein. C'est pas fini. Donc, sachant qu'après, on pourra débloquer la suite.
la petite partie verte qu'on pourra s'étendre un petit peu. Il faudra en obtenir un deuxième. Donc c'est pour ça l'épisode farm. Hein. Très important l'épisode farm quand on pourra s'étendre un petit peu plus davantage. Au moins, vous voyez, au moins atteindre jusqu'ici. Comme ça, on débloque cette partie-là. Et comme ça, si on peut faire des épisodes farm avec du coup un maximum de grues de récupération et tout ça. Sachant que ça prendra pas longtemps, on utilise Link et c'est fini. Hein. C'est une histoire de 30 à 1 heure. Hein, comme 30 minutes à 1 heure comme on faisait d'habitude. Hein. 30 minutes à 1 heure. C'est bouclé, après on en a plein et on est tranquille. Fruit miam miam et ça, après on est tranquille quoi. Les boussoles, je vois vraiment pas l'intérêt pour le moment de les utiliser parce que le problème c'est que tout est mis à l'évidence. Donc je ne sais pas. Alors est-ce que sur des rochers particulièrement on va devoir les utiliser? Donc vous voyez les rochers là que je vois là. Est-ce qu'il faudra pas utiliser une boussole sur ces rochers là pour savoir quel est les rochers à péter pour avoir peut-être un trou de base qu'il y a dans un Wind Waker ou quoi que ce soit? Je n'en sais rien mais. Bon, on verra ça plus tard, hein, quand on y sera. Et donc, du coup, ben voilà, sachant qu'il y a énormément de choses à récupérer. On est loin d'avoir fini cette carte aventure, hein, mine de rien. Même si on est à 8%, j'imagine. Ouais, 8%, on est loin quand même. Hein. Sachant que, normalement, j'aimerais bien au moins faire un épisode du mode... Enfin, deux épisodes du mode légende dans le volcan d'Ordain. Ça serait vraiment le top. Donc, c'est pour ça que, voilà. J'aimerais bien le faire, vous voyez, après que j'ai fait l'épisode stat. Donc, vous voyez, l'épisode 400... 449 le tutoriel, enfin 499 le tutoriel, 500 le stat, 501 du coup le mode légende, comme ça au moins ça permet de varier à chaque fois, sachant qu'on le fera du coup, et dans le but c'est le mode héroïque pour pouvoir du coup tout valider en mode héroïque, et puis voilà, donc ouais, mine de rien, on progresse petit à petit sur cette carte aventure, mais on progresse. Elle est difficile en termes de... Parce que c'est pas comme l'autre, on peut tout récupérer sur une même case. Là, c'est très galère sur le... Il faut revenir plusieurs fois sur les cases et tout ça. C'est assez long, ça peut être même assez chiant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas s'y perdre. Et puis voilà, sachant que ce sera la même chose dans les cartes des mers occultes. Voilà. Donc, ça sera également la même chose, sauf qu'on commencera ailleurs. Donc, mais ça sera la même chose. Donc, bon, voilà quoi. Donc voilà quoi, ça sera la même chose. Sachant que là on pourra plus s'étendre davantage, donc on pourra aller là, mais il y a pas mal de, vous voyez, de murs là, impossible de passer. Là c'est fermé, là c'est carrément la merde à mon avis. Là, à mon avis, le dernier truc il est là, hein, je vous le dis clairement, le roi des ténèbres il est là. C'est sûr, même c'est même 100% sûr. Vu la merde que c'est, donc même ici s'étendre ça va être une galère. Mais bon, avant ça, on fera ça quand même. On fera ça. Donc, ouais, carte des mers occultes. Carte du crépuscule. Bah, je regarde un petit peu quand même, hein, carte de Termina. Ok. Carte de Coqueline. Ok, Marine. Ah oui, il y a Marine. Ça me donne envie, de, honnêtement, de la faire pour au moins débloquer les personnages. Mais bon, non. On fera pas ça maintenant. Par contre, il y a réellement zéro truc. On fera ça en premier. Hein. Quand on y sera. Carte de l'Orule. Mm-hmm. Et carte bonus, évidemment, que pour le moment, ça ne sert à rien de faire. Bon. Allez, du coup, d'ici là, les amis, portez-vous bien. On se retrouve pour la nouvelle semaine, l'épisode 469. Voilà, c'est, je reviens pas à dire ça en bouche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Maman est arrivée.